jour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Elle accouche dans les toilettes de l'hôpital parce qu'ils ont refusé de la soigner. Les douleurs et contractions dans les mois de gestation avancée nécessitent une attention immédiate, et encore plus en cas de grossesse multiple. Cependant, l'expérience vécue par une femme dans un hôpital en Argentine s'est transformée en une tragédie qu'elle n'oubliera pas tant qu'elle vivra. Miguel Ruiz avait publié sur son compte Facebook qu'il était très heureux car sa femme Carolina avait un anniversaire, et comme si cela ne suffisait pas, elle était enceinte de 26 semaines. D'après les échographies, ils étaient jumeaux, Matteo et Santino seraient leurs noms. Soudain, la femme a commencé à se sentir malade et ils se sont immédiatement rendus à l'hôpital du district de Lara, dans le nord de la province de Santa Cruz, mais ils n'y ont pas prêté beaucoup d'attention et ils l'ont ramenée à plusieurs reprises chez elle. Ils ne voulaient pas agir comme il se doit, quand elle a eu une grossesse gémellaire. Pourquoi la renvoyer chez elle plus de 3 fois en sachant dans quel état elle se trouvait? Ils l'ont tous ignoré jusqu'à ce que ma femme ne puisse plus supporter la douleur et que l'eau se soit cassée dans la salle de bain de l'hôpital, a expliqué le mari. L'angoisse grandissait, Carolina se sentait de plus en plus mal et le personnel de santé ne lui accordait toujours pas l'attention voulue. Elle s'est approchée du gardien, mais cela ne servait à rien. Dans son angoisse, elle s'est rendue aux toilettes du centre de santé et là est né le premier bébé. Elle a eu le premier bébé pendant que je criais à l'hôpital pour que quelqu'un m'aide et que personne ne m'écoutait. Les infirmières sont venues avec beaucoup de patience pour vouloir lui parler calmement alors qu'elle leur donnait naissance dans les toilettes d'un hôpital public. Le deuxième bébé était en mauvaise posture et ils l'ont accouché, alors qu'ils auraient dû subir une césarienne, elle a fini par se déchirer à cause de ses os, a déclaré le père au cœur brisé. Les nouveau-nés étaient prématurés et les moments suivants étaient d'une extrême angoisse. Un médecin qui s'est identifié comme gynécologue a approché Miguel et a confirmé qu'il avait réussi à réanimer l'un des nouveau-nés et lui a dit que l'autre serait référé à l'hôpital Calta Olivia. Entendre cela d'un professionnel de la santé a donné de l'espoir à l'homme inquiet, mais un autre gynécologue s'est présenté et lui a dit que non. La mère, malgré la complication présentée, était hors de danger, mais la chance était différente pour les enfants. Mes deux petits anges m'ont quitté, la vérité est que cette douleur que j'ai ressentie est inexplicable, en écoutant comment votre âme est brisée en 1000 morceaux, dit le triste père avec une profonde douleur. Miguel a partagé les photos de Carolina avec les deux créatures sans vie dans ses bras. Il regrette de ne pas avoir pu les emmener dans un hôpital où ils lui donneraient de meilleurs soins. Et malgré le fait qu'il soit maintenant dévasté par la double perte, il pense qu'avec sa femme bien-aimée, ils réussiront. Il y a quelques semaines, des centaines de personnes ont organisé une marche de protestation devant l'hôpital pour demander justice pour Matteo et Santino. Et ils sont allés au tribunal où une plainte avait déjà été déposée. Bien que rien ne ramène les deux innocents à la vie, il est bon de créer des précédents pour ces types de cas afin qu'ils ne se reproduisent plus jamais. Maintenant, au ciel, il y a deux nouveaux petits anges accompagnant beaucoup d'autres. Ne partez pas sans partager cette histoire tragique avec tous vos amis. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille,
Merci, que le grand Dieu vous bénisse.